Pour notre premier dossier, nous avons décidé d'enquêter dans un ancien sanatorium que l'on surnomme la Clinique du Diable, et qui fut à son origine, dans les années 1900, un hôtel. Après la guerre, ce site fut transformé en sanatorium pour les malades de la tuberculose qui faisait ravage à cette époque. Et comme beaucoup d'autres centres semblables de la région, les victimes de cette terrible maladie se comptaient par milliers. Bien des années après, le sanatorium se transforma en centre de soins, pion clinique, jusqu'à son abandon. Aujourd'hui, ce lieu n'est plus que l'ombre de lui-même, et le bâtiment principal, un vaste courant d'air. Mais peut-être y subsiste-t-il encore des traces du passé. Peut-être y a-t-il encore une histoire à nous raconter. Voici en premier temps la pré-enquête du lieu de jour, où Pierre, Mathieu et Cédric sont partis en repérage, puis enchaînera l'enquête de nuit avec l'équipe complète, tout cela étant dans l'enceinte de ce magnifique endroit, y compris le manoir avoisinant cet établissement rempli d'histoire. Notre équipe va essayer d'enquêter dans ces ruines encore fraîches et tenter de communiquer avec d'éventuelles entités qui pourraient toujours être bien présentes dans ces lieux. Et qui sait, elles ont peut-être des choses à nous raconter. Ah mais ça va trop loin. Voilà. Vas-y, viens. Juste des sous-bassements. Voilà, ça tourne, mais y'a rien. Quelqu'un ici? Vous êtes ici à côté de moi? Je te jure, c'est un truc sur moi. J'ai l'impression que quelque chose qui nous tourne autour, quoi. Mais moi, c'est pareil. Tu sais encore. Vous êtes ici devant nous? Cet étage était le vôtre? Vous avez peur de nous? Putain, ça c'est pas normal. Vous avez peur de nous? C'est parti. T'as vu ça? C'est parti. Ça, c'est pas un truc. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc bizarre. Ouais. Mmh. Ouais, il y a un bâtiment intéressant, c'est sûr. Ouais, on va retourner là-bas. Ça continue encore là-bas. C'est la morgue. Yes, putain, on l'a trouvé. Seulement une fois pour lui et deux fois pour nous. Non? Y a-t-il quelqu'un avec nous? C'est bizarre, ça le fait plus.
Arrêtez. Pouvez-vous nous faire un autre signe? Vous pouvez bouger quelque chose dans cette pièce? Putain de billard. Ah ouais, c'est plutôt que des habitations. Oui, je l'ai pas dans la tête. Que vous laissez souffler sur notre bougie. Faut souffler fort. Faut souffler très fort. Pour qu'elle s'éteigne. Allez-y, soufflez. Non, on ne peut pas. On va y aller. Ah, bizarre. Vous voulez pas jouer avec nous? Vous préférez quand on vient la nuit? C'est mort, j'ai mort. Non, une armoire qui a encore ses vitres. Putain, c'est ça. Ouais. J'ai revu les appareils comme tout à l'heure, ceux qui sont par terre. Vous pouvez parler dedans, ou vous pouvez allumer le gros appareil noir où il y a des chiffres qui apparaissent. Pour l'instant, il y a 3-0. Ce serait bien qu'on voit tout de suite. Vous préférez qu'on aille dans les zones sombres? Bon. Tu veux tout à l'heure? Ouais. Pas besoin. Moi, je suis moche, je passe la peine. Mais... T'es con, toi? Est-ce que vous pouvez me renvoyer la bille? Là, moi, j'ai envie de jouer avec vous. J'ai envie de jouer avec les billes qui sont par terre. Vous voulez pas jouer avec nous? Non, c'est même bien. Qu'est-ce qu'on fait? Ça filme. On va faire le tour des points chauds. Ouais, il y en a toujours du bois. J'ai quelque chose. Tout le monde, c'est là. Chut. Hein?
Y a-t-il quelqu'un avec nous dans cette pièce? Êtes-vous sur ce lit? Êtes-vous ici parmi nous? Pouvez-vous nous redire quelque chose? Actionnez ces appareils une fois pour oui et deux fois pour non. Regardez attentivement cette séquence. Lorsque Cédric demande aux esprits de communiquer avec nous, deux anomalies visuelles font leur apparition derrière lui, à gauche de la caméra, à proximité de son épaule droite. Mais ce qui reste très troublant, c'est qu'un PVE a été capturé par l'enregistreur numérique que quelques secondes avant, puis les détecteurs de MF se déclenchent ensuite. Est-ce une coïncidence ? Êtes-vous ici parmi nous ? Êtes-vous dans cette pièce ? Est-ce que vous êtes décédé sur ce lit ? Vous êtes attaché à cette pièce ? Ça voulait dire non ? Étiez-vous un résident ici ? Étiez-vous hospitalisé ici ? Infirmier ? Peut-être que ça remonte plus loin. Peut-être. Que vous résidez ici dans un hôtel ? Oui. C'était quoi ce bruit ? Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Ça fait. Non, ça change. Oh. Ouais, je suis pas fou. Moi je l'ai entendu. Moi je l'ai entendu. Mais c'était plus simple. Moi c'est un espèce de bizarre. Après cette première séance d'enregistrement, au cinquième étage, nous remarquons déjà plusieurs anomalies sonores. Alors que sur l'enregistrement audio de notre caméra, aucune anomalie n'apparaît, notre enregistreur numérique lui enregistre un phénomène de voix pour le moins troublant. Lors de notre réécoute en live de cette session, des anomalies se font entendre de manière très distincte, et cela à deux reprises. Par la suite, nous avons même pu tous entendre de nos propres oreilles une sorte de sifflement très clair. Le son capturé a été mis entre deux de nos enquêteurs. Pour preuve, les enregistrements stéréo de nos caméras semblent indiquer que le son proviendrait de la droite de Cédric, située à gauche, alors que Mathieu, situé à sa droite, le son proviendrait de sa gauche. Mais après avoir étudié les bandes sonores, le son que Pierre, Mathieu et Cédric ont entendu, il s'agissait simplement du son de la réverbération de la mise en veille de ma propre caméra. Mais filmant le couloir au même moment, et n'ayant pas été à proximité d'eux, et l'équipe n'ayant pas la connaissance de ce type de son auparavant pour notre première enquête, cela m'était bénin. Ce dernier son grisant n'était donc en aucun cas un phénomène paranormal.
Mais il y avait quelque chose, hein, j'ai l'impression. C'est la pluie. Ah, c'est l'eau. Ouais, on a déjà entendu, je pense. C'est ça que je cherchais. Je t'avais dit, il est des sièges. Ah, t'avais raison, t'avais raison. Ah non, mais là, il faut faire un truc ici. Ouais, ouais. Là, il faut faire un truc. Si on se casse les stades, hein. Ah, à la limite. Pèse les fauteuils. Poser cet appareil ici. Je vais poser cet appareil ici. Ici. Et s'il y a quelqu'un ici parmi nous, vous pouvez communiquer, parler dans cet appareil. Pouvez-vous rallumer ces lumières en touchant ces appareils? Pouvez-vous le refaire? Ici parmi nous? Putain. Êtes-vous à côté de moi? Êtes-vous ici parmi nous? Putain. Êtes-vous à côté de moi? Êtes-vous ici parmi nous? Putain. Êtes-vous à côté de moi? Pouvez-vous vous approcher de nous?
Voyez-vous vous approcher de nous? Voyez-vous vous approcher de nous? Le contre-champ d'une caméra permet de confirmer ou d'infirmer des éléments. Autre exemple, lors d'une séance de PVE dans le sanatorium, dans la salle de repos, située au troisième étage, ma caméra semble filmer une manifestation de hantise qui semble être totalement fluide, petite et transparente. La caméra de Cédric, placée en latéral gauche, explique ce phénomène qui n'est autre que le mouvement de Mathieu, notre enquêteur, se trouvant à proximité du champ de vision de ma caméra qui se déplace au même moment. My Night Shot Plus, trop faible, nous donnant une fausse manifestation fantomatique, la caméra de Cédric, plus récente, permet de remédier aux interrogations de ce phénomène et prouve donc que ce n'est pas paranormal. Pouvez-vous nous faire un signe? Frappez une fois dans le mur pour lui, deux fois pour nous. Ces appareils ne peuvent absolument pas vous faire de mal. Vous pouvez même le toucher. Ça va simplement montrer votre présence. Voilà, vous voyez, ça ne vous fera aucun mal. Tenez ces appareils uniquement une fois pour lui et deux fois pour nous. Faites monter la lumière une fois pour lui, deux fois pour nous. Étiez-vous un résident ici, de cet hôpital? Approchez-vous. N'ayez pas peur. Je vous assure qu'on ne vous veut aucun mal. Vraiment aucun. Il y a eu d'abord ces curieuses anomalies que l'on peut apercevoir en arrière-plan sur l'une de nos séquences. Elles apparaissent lointaines et semblent émettre leur propre luminosité vu la distance et l'obscurité régnant dans le fond de la pièce. Ces deux anomalies semblent également suivre une même trajectoire bien distincte. S'agit-il d'orbes? Le PVE capturé près de l'île de l'hôpital, de classe A, c'est-à-dire de très bonne écoute, semble très proche au début de la séance et semble s'éloigner par la suite. Peut-être sommes-nous un peu trop nombreux dans une même pièce pour que celle-ci puisse en approcher davantage? Un peu plus tard, nous capturons des bruits de pas dans le couloir parallèle à la pièce où nous nous trouvons. Ces bruits de pas ne proviennent d'aucun d'entre nous. D'une part, nous sommes tous restés statiques à ce moment-là, et d'une autre, le son de ces bruits enregistrés a été capturé de manière bien plus audible par notre caméra placée dans le couloir que par nos appareils situés dans la pièce, ce qui confirme que ces bruits proviennent bel et bien d'une autre source. Mais laquelle? Nous étions apparemment seuls dans ce bâtiment. Nous n'avions vu aucune lampe ni entendu d'autre chose nous indiquant la présence auparavant de quelqu'un ayant pu pénétrer dans le sanatorium. Alors qui est-ce? Il y eut ensuite ce qui ressemble à une manipulation intelligente de notre détecteur EMF K2, qui s'allumera suite à la demande de Pierre, et s'en suivra un PVE pour le moins troublant, semble répondre directement à sa question. C'est bon, on va voir.
on va la faire. Il y a quelqu'un ici. J'ai un bisou. Mettez les patients en sécurité, ils sont directement menacés. J'ai une salle d'opération. On est parti, c'est une fille. Non, c'est pas vrai avec lui. Non, ils sont partis. J'enregistre. Vous voulez jouer avec la femme ? Oh, ça c'est une mousse, je pense. Ça c'est... Allumez la roche. C'était toi ? C'est toi. T'as tiré ? C'était moi. Oh putain. Là c'était violent. Ouais, sale claquement quand même. Vous êtes plus avec nous ? Vous avez changé de pièce ? C'est vous qui avez fait claquer la porte là-bas ? Est-ce que vous avez des mauvais souvenirs dans cette salle ? Lors de notre séance de PVE dans la salle d'opération, située au deuxième étage, un très lourd claquement se fait entendre, semblant se situer à l'autre bout du couloir. A priori, une porte. Mais cependant, nous pouvons affirmer son caractère paranormal dû au fait que certaines vitres ayant été cassées, le vent aurait pu participer à ce type de phénomène. Lors de nos 4 heures d'enquête dans le sanatorium, nous n'avions entendu aucun claquement de porte d'une aussi forte intensité. Voici le résultat du son audible que nous avons tous entendu, sous bande nettoyée et amplifiée pour que vous constatez vous aussi sa réelle intensité. T'as tiré ? C'était moi. Oh putain. Là c'était violent. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Là c'était violent. Continuez de se déplacer, on va avoir la main, on avance. C'est bizarre. Non, je suis pas ici. Je suis bien. C'est pas mal. C'est pas comme si je t'étais tombé dans mon canapé, ça c'est abusé comme il se détecte. Vous êtes revenu ? Venez près de moi, la lumière rouge. Je prends une photo. Vas-y, là tu veux. Dites-moi votre nom. Dans la salle d'opération, les éléments naturels, comme le vent, nous semblent jouer des tours. Les portes claquent, le vent semble s'engouffrer dans cette salle de manière bien plus improbable que précédemment. Le détecteur de MFK2 semble s'affoler également de manière bien répétée, sans que nous puissions expliquer ce qui pourrait les affoler à ce point. Mais il est clair que ce bâtiment est démuni d'électricité depuis bien longtemps. Nos appareils émettant des ondes ont tous été éteints, comme nos portables ou autres. Mais il reste néanmoins troublant à voir comment les K2 réagissent. Pour le moment, nous ne fixons pas d'explication paranormale à ce type de phénomène, qui est pour le coup beaucoup trop fréquent dans ce genre de bâtiment. Nous recherchons plutôt des preuves de manipulation intelligente de ces appareils par d'éventuelles entités qui pourraient s'en servir pour nous répondre. Ou alors, il y a un autre phénomène qui peut se produire avec le froid, c'est l'électricité. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'on... Parce que tu vois bien, c'est pas constant, c'est bizarre.
Moi je vais poser ma caméra. Je crois qu'il faudrait tous se mettre dans un coin, je crois. Ouais. Je crois que c'est plus judicieux. Parce que... C'est dommage qu'il marche pas, punaise. C'est dommage. Ça marche pas. Y a-t-il encore un prêtre dans cette chapelle? Y a-t-il un prêtre ici? Hey les gars, juste pour info, il y en a une des deux qui s'est entrouverte. Non. Moi c'est sûr que je crois que tu les as fermés vraiment. Ah mais t'as pas été par là. Non, moi j'étais ici, mais j'étais là, mais j'étais plus comme ça. Je crois que tu les as vraiment fermés. On va regarder ça maintenant. Ça c'est bizarre. Est-ce que quelqu'un est rentré ici pour venir assister à une messe? Eh les gars, la porte elle s'ouvre. La vache. Il y avait personne à cette porte. Hein. Je viens de le filmer. Hein. Elle s'ouvre toute seule cette porte. Bon après le courant d'air. Hein. Venez en fait. Venez parmi nous. Parce que je suis resté là justement. Est-ce que c'est vous qui avez ouvert la porte? Avez-vous essayé d'ouvrir cette porte? Ça vous amuse d'ouvrir la porte? Vous aimez ça? Super froid. En même temps, il est vite pété là. Ah, d'accord. Parce que je suis allé là-bas, pareil, j'ai senti un courant d'air, je suis allé en et je regarde en haut, il est éclaté là. Ah, ok. Vous allez vous installer? Ouais, il détecte pas là-bas. Je l'ai bien refermé. Voulez-vous ouvrir cette porte à nouveau? Approchez-vous des lumières. J'ai vu quelque chose. Les cadeaux sont calmes, mais calmes. Je suis pas tellement d'interférence. Hein. Non. Non, t'as rien. C'est juste quand tu poses des questions, quoi. Moi, je veux encore des chaises libres. Installez-vous. Venez avec nous, on veut pas vous faire de mal. On veut juste parler avec vous. Montrez-nous que vous êtes là. On est ici pour vous. On a fait tout ce chemin pour vous. C'est l'occasion pour vous de nous montrer que vous êtes vraiment là. On veut vous entendre, on veut vous voir, on veut avoir quelque chose. Montrez-nous.
Et quoi, on va essayer de rester le plus statique possible. Pouvez-vous nous refaire un signe ? Que les esprits ici présents se manifestent. En faisant du bruit, en venant parler dans cet appareil qui est à mes pieds, ou de la façon que vous voulez. K2, j'ai pas bougé. Non, il y a rien. Ouais, je crois. Hein. Merci à vous. Bon, on descend. Ouais. Par là ? On va dans les catacombes. Merci. Oh là, t'as vu ce que t'as fait ? Je sais pas si c'était la lumière, mais quand t'as... Il y a eu un truc là-haut, il y a eu un flash. Je sais pas si c'était la lumière, mais il y a eu deux points blancs. C'était pas ça en tout cas. C'était vraiment deux points blancs. C'est peut-être ma lumière, je sais pas. Je sais pas, en tout cas, juste au moment où t'as touché ce truc, il y a eu deux points blancs. Juste à ce niveau. Ouais, c'est bizarre. Tu fumes sa caméra. De quoi ? J'ai filmé ma caméra. La mort, c'est là, oui. Ouais, ouais, bah tu veux. Y a-t-il quelqu'un ici parmi nous ? Pouvez-vous vous manifester ? Voulez-vous vous joindre à nous ? Pouvez-vous nous faire un signe ? On est vraiment désolé pour vous. Sinon, il y en a deux qui restent là et deux qui vont là-bas. Par exemple, il reste 2 minutes. Ouais. De batterie. Ouais. Un enregistreur, toi. Viens, on fait un tour. Pouvez-vous faire bouger cette chaise roulante ? N'ayez pas peur de tous ces équipements. Ça ne vous fera strictement rien. On est vraiment désolé pour vous. On est vraiment désolé pour vous. Sachez-le, vraiment. Vous voulez pas jouer avec nous ? Si vous pouvez jouer, il faudrait juste pousser un petit peu la balle. Un tout petit peu. Si vous voulez, comme jeu aussi, on a les lumières. Il y a une lumière verte. Et si vous vous approchez, il y aura des lumières d'autres couleurs. On ne veut pas vous déranger, on ne veut pas vous insulter, on vit en amis. Là-bas, j'ai entendu un truc. C'est bien, essayer de le refaire. Venez à nous. Il y a quelque chose, c'est très distant. Ouais.
Mais j'ai l'impression que c'est distant. Moi, je pense aussi. C'est quand même très très calme en bas. Plus que là. Ouais. On a fait une jolie étape pour vous. Ou si vous voulez, on a nos amis dans le couloir. Vous pouvez aller jouer avec eux si vous voulez. Vous pouvez aller leur tirer le pantalon. Leur tirer les oreilles. Faut qu'on bouge. Ouais, je pense qu'on va bouger. Parce que là, c'est bon. Depuis la chapelle, ouais. Ouais. Comme si on faisait peur. Quoi. Exact. Ah non. Bonjour. Ouais. Bah, à l'étage. C'est en haut qu'on a vu les trucs. C'est en haut. J'ai une sensation bizarre dans cette baraque. C'est l'odeur, peut-être, je sais pas. Je trouve la sensation elle est bizarre. Ouais, ouais. Ah, ouais, ici c'est glauque. Hein. Session PVE dans le manoir. Est-ce que quelqu'un est avec moi ou avec nous dans ce bâtiment? Ok, c'est bien, vous vous manifestez, donc vous êtes avec nous dans la pièce. Venez dire quelque chose. Approchez-vous de la lumière rouge. Vous pouvez toucher ces appareils pour nous montrer que vous êtes là. Vous avez eu peur de nous? Vous avez donné un signe. Pouvez-vous revenir parmi nous? J'ai l'impression qu'on fait peur. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, mais vous êtes trop. Bah, vraiment la première pièce qu'on a fait, quoi. Ouais. Ouais. Je vais vous répondre à mes questions en faisant clignoter ces lumières une fois pour lui et deux fois pour nous. Êtes-vous un homme? Une fois pour lui, deux fois pour nous. Bien, c'est côte à côte, ça, mec. Uniquement une fois pour lui. Uniquement une fois pour lui. Deux fois pour moi. Mais
Mais est-ce que... J'ai l'impression qu'on... C'est un peu comme ça. Tu veux pas essayer de plus. Vous avez pas mal aux épaules. C'est un peu le bras parce qu'à cause de la caméra, mais c'est... Moi, c'est vraiment derrière, très derrière. Ouais, moi aussi, j'ai mal au dos. Moi, c'est pas du tout le bras. Moi, le bras, c'est ici. Y a-t-il quelqu'un dans ce moment avec vous? Mais lui, non, regarde. Non, moi non plus, j'ai rien. Moi non plus, j'ai rien. Y a-t-il encore quelqu'un ici? Répondez-moi par lui, par nous. Êtes-vous un médecin? Faisiez-vous partie du service médical? Vous pouvez nous parler, on peut vous entendre à travers cet appareil. Comment vous appelez-vous? Êtes-vous une femme ou un homme? Vous mort ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Cet appareil vous permet de vous manifester. On ne veut absolument pas vous faire de mal. On est ici pour vous. C'est l'occasion pour vous de vous manifester. Est-ce que vous avez peur de nous? On est trop nombreux. On était bien tout à l'heure. Merci. Descente. Oh, c'était fermé. Par moi, je referme la porte. C'est quoi ce boum boum? J'ai pas entendu. Vous avez pas entendu boum boum? Voici le claquement de la porte. Ouais, comme une énorme porte qui faisait boum. Vous l'avez pas entendu? Mais ça? Je te jure que c'est vrai. Vas-y, j'ai entendu. Mais je te prends. Moi je pensais que c'était un lien. Ça recommence là. Là j'ai entendu. Oui, d'accord, il n'y a personne dans cette baraque. D'accord. Là, tu peux pas dire. Là, on a fait le tour. Clairement. Ça, c'est clair. Mais c'est peut-être pas parce que quand on descend, c'est en pire. Te filmer? Thank you.
nous quittons le sanatorium en laissant derrière nous un bâtiment qui laissera à jamais une empreinte indélébile de son histoire, tant par son vécu que par les patients qui sont décédés. Mais nous pouvons nous empêcher d'éprouver un sentiment de culpabilité, comme ces âmes, perdues, qui essaient de désespérément communiquer avec ces visiteurs venus de loin. Le sentiment de tristesse et de colère inonde nos pensées, tant de dégradation de l'irrespect de l'homme, ces esprits, qui nous espérons, trouveront un jour le repos, sont à jamais les nouveaux propriétaires de ce lieu majestueux. Une Explain Experience est un groupe ouvert. Nous ne sommes pas ici pour faire concurrence aux autres groupes du paranormal, mais pour rassembler nos idées et nos expériences dans un but de recherche sur les phénomènes inexpliqués. Notre équipe est ouverte à tous les passionnés dans ce domaine, et tous ces acteurs, les équipes, les médiums, les photographes, radiesthésistes, sont tous les bienvenus. Notre objectif est commun et nous souhaitons participer à notre passion en faire avancer les recherches dans ce domaine. Qu'importe où vous habitez, vous pouvez grandir cette communauté d'un collectif passionné du domaine paranormal basé sur le partage et la passion en restant objectif et professionnel à tout égard. Si cela est votre conviction, rejoignez-nous. Notre but est la vérité, la recherche est notre science. Le fondement d'un fait doit sa réalité à l'explication de son existence. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Envoyez votre mail à unexplainexperience@outlook.fr et unexplainexperience@gmail.fr. Parlez-nous de vous, de vos équipements d'enquête et surtout de votre principale motivation. Nous enquêtons dans des lieux propices aux phénomènes paranormaux, lieux à l'abandon, chargés d'histoire, chez les particuliers et les lieux réputés hantés.